voilà, Cassandra. Vite, Périclès est peut-être à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui te prend? Phoïbé est morte. Elle est morte parce que tu l'as envoyée à ta place. Non, c'est pas vrai. Phoïbé a voulu y aller. Elle m'a dit que tout irait bien. Et tu décides de croire une enfant? Tu connais Phoïbé. Quand elle a une idée en tête, ce n'est pas ma faute. Pas ta faute? Tu l'as envoyée là-bas. Tu aurais dû la protéger. Je lui ai demandé de m'aider à protéger Périclès. Elle aimait tant aider les autres, Cassandra. Elle voulait t'aider, toi aussi. Peu importe. Elle a passé sa vie à rendre service à d'autres, encore et encore. Et ceux qui se dévouent ainsi méritent plus de gloire que quiconque. À sa manière, c'est une héroïne. J'espère qu'elle le savait. Aspasia, tu es ici. Des traces de Périclès? S'il est là, il prie à l'intérieur. Il a refusé de rester à l'abri chez nous. La situation empire à l'Agora. La folie frappe la ville. Agissons, nous parlerons plus tard. Périclès... Allez! Je vais détruire tout ce que tu as créé. Athènes m'appartient. Périclès! Ne mets pas sur mon chemin. C'est ici que tu mourras! Tout est perdu. C'était un grand homme, peut-être encore plus que nous ne l'imaginions. Nous devons lui faire quitter Athènes. Prenons mon navire. Il faut partir. Pour qu'il ne soit pas mort en vain. Jamais. Nous devons nous dépêcher. Reste près de moi, on ne sait jamais.